La réflexion autour du projet qui allait devenir l'esprit du lieu est née dès 2018 au sein du conseil d'administration du Cercle Rigaud. Les missions du Cercle Rigaud sont nombreuses. En premier lieu, bien sûr, faire participer au rayonnement du musée par des actions comme les conférences, les ciné-cercles, et puis ensuite participer également aux acquisitions dans la mesure où ces acquisitions sont issues d'une réflexion globale avec la direction du musée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons porté un regard sur la jeune création. Ça aboutit au prix du Cercle Rigaud qui a eu lieu avec beaucoup de succès il y a 2 ans. Nous avons également élargi notre regard et nous l'avons porté vers la création contemporaine. Et c'était un vrai challenge d'ailleurs. L'idée initiale était de mettre en valeur 20 artistes à l'occasion de l'année 2020. Et nous avions envisagé de réaliser un ouvrage de textes et photographies qui permettait de mettre en avant la création vivante du département à cette occasion. Ce projet a bien entendu été présenté au musée et la direction de l'époque nous a d'emblée proposé de le faire dans le cadre d'une exposition de ces 20 artistes et le projet a pris forme et est devenu une exposition de 20 artistes actifs dans le département avec à la clé cet ouvrage qui est devenu le catalogue de l'exposition. Pourquoi faire entrer la création contemporaine au musée Rigaud? Le constat du Cercle Rigaud était le suivant. La création contemporaine à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales a été peu montrée par les institutions et les acquisitions au cours des 50 dernières années ont été peu nombreuses. L'idée était à la fois que les artistes eux-mêmes se réapproprient le musée comme un lieu pouvant faire acte de mostration de leurs œuvres et par ailleurs de façon à ce que les publics puissent s'approprier le travail des artistes au sein du musée. Cette démarche était confortée par l'idée que nous avions sollicité les artistes pour qu'ils puissent laisser certaines œuvres au musée et ainsi enrichir les collections du fonds du musée. Ce challenge a été, je pense, relevé avec une certaine réussite, puisque aujourd'hui, dans les satisfactions que nous pouvons relever, il y a des professionnels de l'art qui ont participé pour donner leur avis en étant un avis très favorable. Et ensuite, ça s'est déroulé dans des conditions tout à fait conviviales et dans l'intérêt de chacun. Choisir 20 artistes n'est pas chose aisée. La création dans le département est très vivante, elle est multiforme et il a fallu effectivement réaliser un choix. Ce choix a été réalisé consensuellement par l'ensemble des membres du conseil d'administration avec propositions faites au musée et nous avons pu ainsi identifier 20 artistes qui ne sont pas du tout les seuls artistes actifs dans le département, mais qui sont assez représentatifs de la création contemporaine des Pyrénées-Orientales en 2020. Ce qui serait intéressant maintenant, et ce que nous avons ressenti plus particulièrement, c'est que vis-à-vis d'un public, il y a eu une acceptation de cette exposition qui fait dire que dans ce département, il y a une création contemporaine et qu'il va falloir, dans les années à venir, peut-être envisager de la développer pour qu'elle rentre dans la culture du territoire.